Ah, t'as 100 Gilles, t'as 109, bravo Charlie, 555 pour 14 ODR, 002, Rémi, Sud-Ouest France qui t'appelle. Ok, comment vas-tu Gilles alors aujourd'hui là depuis hier? As-tu remonté ton plafond de voiture? Négatif, on n'a pas remonté le plafond de voiture, tu vois. On vient d'aller manger une petite croûte là avec la petite ici. Et puis Jean-Pierre, on est au resto manger une petite croûte. Hey, comme hier, j'ai encore la surmodulation des Italiens. Hein. On fait là, on est en train de faire du copier-coller. Hein. Et tiens, justement, là, j'ai une petite vidéo là qui est en route là. Hey, tu arrives, t'arrives encore à avoir fait comme ça, à bouffer sans arrêt? Affirmatif, c'est du 100% cuiro là de mon côté. Hein. Ben, tout en a pour nous là aujourd'hui, là, côté soleil, eh bien c'est un beau soleil, un super beau soleil. Et pour la température, c'est du 16 degrés. Voilà. Et voilà, ouais, tu passes bien, hein. C'est une bonne radio de 5, là ça passe vraiment bien. C'est fort et clair, comme dirait l'autre. Négatif, pas encore. Là, parce que bon, comme je disais, là, j'ai un petit peu de surmodulation italienne, là, comme hier. Enfin bon, moins fort, quoique, ça a le temps de changer, je vais pas parler trop vite. Hein. Mais pas encore, je te retourne le micro pour que tu le fais, pour que... Ah, zut, allez, je remets tout à l'endroit. Je te retourne le micro pour que tu puisses lui repasser, là, que je vois un petit peu si je l'entends de mon côté. Non, bah, tu vois, je ne l'ai pas du tout entendu. Là, il n'y a absolument rien qui est passé de mon côté. C'est le néant complet. Hein. Bon, là, je suis en train de travailler là, sur la vidéo d'hier. Là, je suis en train d'essayer de faire un petit montage avec un logiciel qui n'est pas du tout évident, qui plante sans arrêt, histoire de compliquer les choses. Mais bon, j'essaie quand même de faire le montage là, dont tu m'as parlé. Là. Les deux vidéos là, de mise ensemble, là, de synchroniser ensemble, je ne sais pas ce que ça va donner. J'utilise un logiciel, c'est quoi là, Cadan Live. Je connais pas du tout, c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Je sais même pas comment il marche. Mais bon, j'essaie de me dépatouiller là, avec là, pour arriver à faire quelque chose. Voilà. Bernard, on est dimanche. Oui, on est dimanche. Bernard, je suis pas sûr que tu l'aies en fréquence, à moins qu'il soit de retour au cuir. Hein. Car normalement, là aujourd'hui, il était bah, lui aussi en train de casser la croûte, là, chez son fils à Marennes. Voilà, ils étaient en train de fêter avec un peu de retard l'anniversaire de son YL. Voilà, retour de micro, Gilles. Oui, QSL, écoute-moi, je voudrais te dire que tu me mets de l'essence dans l'auto,
complètement n'importe qui. Et puis on me regarde avec des gros yeux quand je fais ça. Ok, tu m'étonnes quand tu fais les gros yeux. Je sais pas où tu t'es garé, mais là c'est sûr que là ça doit foutre un petit peu la pagaille là sur le quartier. Ok, pas de problème Gilles. Donc on va arrêter le cuisson là, il n'y a pas de souci. Les bottes 73, 51 à toi, parce que je suis pas sûr que sans l'alphalima ça passe correctement. Je suis pas convaincu là. Donc les bottes 73, 51 à toi, et puis bonne continuité de ton côté en cuisson local. Et à tout à l'heure ou à plus. Oui, le siffleur, on est 20-73 en avant. Bon Gilles, je sais pas si tu m'entends là, mais là de mon côté là ça passe plus là sans l'alphalima. Là c'est du zéro, du néant là de mon côté. Ok, et eh bien les bandes 73, bah y a plus. Ok, de retour. Voilà, ça y est, je relance à nouveau la vidéo. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé hein? Santiago 8, Radio 5, de mon côté, sur le sud-ouest France. Affirmatif, je suis bien là. T'es en train de rouler ou t'es monté sur les hauteurs? Ah, ça passe moins bien là, tu vois, là où tu étais tout à l'heure, là, ça passait super cuiro. Là, ça a descendu là, par contre, ce coup-ci là. Ah, là,
voilà, là, ça a nouveau remonté, t'as dû encore bouger. Non, mais à mon avis, c'est l'emplacement. Hein. T'as toujours des endroits où ça passe plus ou moins bien. Il suffit de se déplacer de quelques mètres, de tourner un peu différemment la voiture, et puis ça y est, ça repasse à nouveau carton. Quoi. Ok, il n'y a pas de problème, je t'attends, il n'y a pas de souci. Tu m'étonnes, et la vidéo est toujours en train de tourner là. Hachi, ouais, mais je t'entends bien, hein. Aussi fort que Eric, il n'y a pas de problème. Bon, j'envoie les bonnes amitiés là, du sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion. Ok Eric, j'espère que je ne module personne. Les bandes 73 à toi Eric, de la part de Rémi, 14 ODR 002, QRZ local d'Indy 33, là sur le sud-ouest. Les bandes 73 à vous. Ok, ben je crois qu'on se parle déjà sur Facebook, sur le groupe des Tanons, il me semble. Oui, QSL, QSL. Oui. J'en fais fièrement partie des Tanons, mais je suis évidemment un Tanon, un vrai casse-pied. Oui, oui, j'avais bien reconnu. Ah, c'est ça, on appelle ça ici les oiseaux rares. Ouais, ouais, je vois bien, ouais. Alors Gilles, l'as-tu trouvé cet emplacement, là où te garer, là où ça passe fort? Oui, QSL, toi, je suis stationné là, là. Je suis stationné sur le bord de la route ici, là. Il y a Jean qui appelle pour Éric. Jean qui appelle pour Éric, 501, QSL. Il y a Jacques qui est derrière? Attends, j'ai pas tout compris là.
Là, j'ai eu un bug. Qu'est-ce que tu me dis? Il y a Jacques qui est avec nous. Les bottes 73-51 à lui, alors. Non, désolé. Jacques envoie le bon chiffre à notre ami Bravo Charlie, 501 QSL. OK. Oui, les bons chiffres, genre, je parlais pas, je laissais des petits plans pour les autres stations qui voulaient s'avancer et puis communiquer avec la division 9, alors je ne répondais pas. Mais les bons chiffres, genre 73-51-212 à Tokyo, à la familiale. Ouais, affirmatif, je suis toujours là. Ouais, d'accord, ouais. Ce que j'ai surtout eu QSL, c'est que tu es en train de te mélanger les crayons. Tu sais plus si tu dois mettre le téléphone branché entre le TX et l'antenne, l'ampli dans l'allume-cigare. Tu sais plus comment faire. J'ai bien compris, là, tous les coups, t'as dû faire sauter un fusible, c'est ça? Ah, j'ai entendu quelqu'un se signaler. Ouais, Jules, t'as eu QSL de la station, là, de mon côté, là, c'était un peu QRP. Ouais, affirmatif, à tous les coups, là, t'as dû faire un petit conju, t'as dû croiser les fils, hachi, là, t'as dû te faire péter un fusible, oh, ça sera vite changé. C'est du 59, voilà, dans les pointes, c'est du 59, tu verras ça sur la vidéo, car là, je continue à filmer, hein. Ok,
Ben là, de toute façon, là, je suis toujours en train d'essayer là, de faire le montage vidéo, c'est-à-dire la vidéo d'hier, tous les deux, là, nos vidéos d'hier. Je suis en train d'essayer de faire un montage vidéo là, avec un logiciel que je connais pas du tout. Et je vais essayer quand même, je vais essayer de faire quelque chose de sympa là pour les vidéos d'hier, avoir nos deux vidéos ensemble. Et tu vois, je suis en train de mélanger les pinceaux là dans les explications. C'est à tel point que j'y comprends que dalle sur ce que je suis en train de faire. Quoi. Le CAC André parle en contact avec son programme, donc on voit la station qui parle avec sur l'écran, dans le même écran, mais c'est pas la même fonction parce que nous, c'est deux vidéos complètement séparées. Ah mais c'est pas ça le problème, c'est pas ça. Mettre les deux vidéos bout à bout, ça c'est facile, il n'y a aucun problème. J'ai juste à faire attention à ce que le format de la vidéo soit parfaitement identique dans les deux cas. Et là dans ces cas-là, j'utilise sous Windows, comment c'est déjà Fabienne, Windows comment ? Windows Movie Maker, ça y est, la voix des ondes m'a donné le nom. Sous Windows, j'utilise le logiciel Windows Movie Maker. Donc là, il n'y a pas de problème. Je fais du bout à bout avec fondu, il n'y a aucun souci. Mais j'essaie de pousser un peu plus loin. Je voudrais essayer de faire quelque chose comme fait André. Voilà. À propos d'André, j'ai voulu récupérer son logiciel sur Internet. Je me suis pris trop tard. Du coup, les liens qu'il m'a donnés, ils sont plus bons. Donc bon, c'est pas grave, peu importe. Hein. Mais j'ai trouvé un autre logiciel. Ce coup-ci, je suis sous Linux. Et j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle CadenLive. Et là, j'essaie de mettre les deux vidéos en parallèle, pas bout à bout, en parallèle. Là, pour essayer d'avoir quelque chose de sympa, quoi, au bout du compte. Et c'est pas évident du tout à synchroniser. En plus, ce logiciel, il y a quelques petits soucis de plantage. Et bon, ben, ça m'occupe, quoi. Voilà, tout ça pour en arriver à dire ça. Ça m'occupe. Retour de micro. Ouais, bah, c'est pas grave ça. C'est pas grave, de ton côté, de toute façon, t'as énormément de monde en fréquence, t'as énormément de monde sur la CB. Alors que du mien, bon, il y a du monde, oui, mais il en faudra encore beaucoup plus. C'est pour ça qu'on fait autant de travail comme ça sur les vidéos, sur les forums, sur les blogs, sur les sites, partout où on est, quoi. Là, pour continuer à promouvoir, à redynamiser la CB. Et on y arrive, mais il en faut encore beaucoup plus. Il y a tu sais qu'il y a certains départements français où il n'y a absolument plus personne. Alors, faut reconquérir, faut redonner envie aux gens. Voilà, c'est à ce point-là, quoi. Et c'est à force qu'on arrive à regagner du terrain, quoi. Ah, le mobile, on l'entend pas. Attention, la station 219. Contact, Patek. Oui, c'est bien ça. Attention André, à toi 001.
j'écoute. Oui, André, les bottes 73-51 de la part de 14 ODR 002, opérateur Rémi, Sud-Ouest France, en compagnie de Gilles Gatineau, de Eric, sur le secteur aussi, là, par là-bas. En avant, André. Sur ce 25, la préférée de Gilles. My God, ben, je vois que la propague, ce matin, c'était pas bon, hein. J'ai tenté avec Antoine, avec Pierre, et puis c'était de la merde. Alors, salut Gilles, je sais pas si tu m'entends. Probablement que Gilles m'écoute, sauf que moi, j'ai beaucoup de bruit ici, hein. Et j'ai du bruit à 7. Et voilà. Ben, OK, ben, écoute, je vais pas nuire au QSO de Gilles. J'ai une réalité que je suis sur ce 25. Moi, sur le coup, hein, je pense pas. Je vais me passer en fréquence. Je vais aller plus haut, plus bas. Je vais laisser Gilles faire ses activités. Je sais que lui est tout le temps ici, hein, avec des OM de Gatineau et de Ottawa. Parce que nous, on est quand même loin l'un de l'autre. Hein. On est on a plusieurs kilomètres, puis quelques centaines de kilomètres qui me séparent. Ben, OK. Ben, écoute, Rémi, heureux de t'écouter. Et puis, oui, il y a aussi Patango, juste avant moi, qui est signalé. De la France. Ben, je vois que la propage est très, très tardée. Hein, parce qu'aujourd'hui, il y avait plusieurs activations où j'aurais aimé participer. Et puis, c'était petit. OK, Rémi, ben écoute, je te retourne le microphone. Et puis moi, ben, je vais aller plus haut, plus bas en fréquence. On va retourner ça. Après ça, on retournera ça my God, à Gilles, là, qui continue son QSO comme il fait d'habitude. Réseau de micro, Rémi. OK, merci. Merci André. Eh bien, je vais te faire un petit report. C'est du Radio 5 Plus et Santiago 9 Plus 10 là dans les pointes. Autrement dit, c'est du téléphone. Et pour Gilles, eh bien, il t'entend là-bas. Hein. Tout le monde t'entend, André. Hein. Il n'y a pas de problème. Dommage que tu aies des problèmes de QRM. Et pour la propagation, oui, effectivement, on a remarqué ça aussi de notre côté. Maintenant, c'est une propagation du soir. C'est une propagation d'été, quoi, ni plus ni moins. À tel point que hier soir, tiens, à titre indicatif, à 11h-20, voilà, j'étais un petit peu en écoute, là, justement, sur le 625, Gilles me passait avec une radio de 5 à un Santiago 9, là, ici, sur le QTH, là, sur le sud-ouest de France, là, le secteur de Saint-Émilion. Voilà, donc, la propagation, maintenant, pour nous, là, en France, elle est vraiment, vraiment du soir, voire même tard le soir. Voilà, retour André. OK, 100%. Ben oui, tout à fait. Ben, c'est la fin. C'est la fin de la période hivernale, hein, automne-printemps. Voilà, ça bascule. Puis à un moment donné, il va falloir attendre au mois de septembre, ben, à l'automne. OK, Rémi, ben écoute, c'est un petit peu malade. C'est Jules qui est en cuisson avec vous tous. Hein. Alors, je suis arrivé ici par accident parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit on entend la 14 à 16h25 et puis moi ici tout est fermé. Hein. Et puis voilà, me voilà qui s'insère dans le QSO. Mais moi je vais aller discuter avec Serge un peu plus haut en fréquence et puis s'il y en a qui veulent suivre, on va être un petit peu plus haut, genre 640 et puis on va discuter un peu. Alors je te tourne le micro, Rémi, fais tourner ça du côté de Gilles à Gale, parce que moi j'entends pas le bruit trop haut, hein, c'est 57 degrés ici, alors c'est beaucoup de bruit. À toi le micro, Rémi. OK, André, Gilles, je te repasse aussitôt le micro. OK, André, ben les bons chiffres tournés, ben en ce moment, c'est tous les soirs ici. Là, depuis quelques jours, là, tous les soirs, là, ça passe là, entre la France et le Québec. Les bottes 73, Gilles, ainsi qu'à l'OM qui t'accompagne. Et à la prochaine en fréquence. Gilles, retour de micro de ton côté. André ne vous entend pas du tout, là. Que j'ai de lui ici aujourd'hui, avec le stationnaire en rouge mobile, des meilleures réceptions dans les...
Ok, André, c'était toujours là. Il t'entend, Gilles, t'entends beaucoup mieux là dans le mobile par rapport au Cuvira. Voilà, donc toi comme quoi, Gilles, hein, suivant où on est garé, mais parfois on peut avoir de meilleurs résultats, quoi. Ok, André, t'es toujours là? Non, André est parti là sur d'autres fréquences avec une autre station. Retour Gilles. Ha 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 ha!